Bienvenue sur 5 minutes, un livre, un tout nouveau programme que moi, Cortocoloc, vais à présent vous présenter. Le tout premier livre que j'ai choisi de vous présenter est L'ami retrouvé, qui a été écrit en 1971 par Fred Hullman et qui a paru pour la première fois à Londres. Ce livre est un roman autobiographique. Je vais vous résumer un peu le livre, mais je n'ai pas envie de vous raconter tout ce livre, car si je vous raconte le livre dans les moindres détails, il n'y aura absolument plus aucun intérêt à ce que vous le lisiez. Donc, l'histoire se déroule en 1932 à Stuttgart, en Allemagne. Hans Schwartz a 16 ans et est un juif allemand, cultivé, curieux et intelligent. Hans est très solitaire et fait la collection de pièces de monnaie et il cherche un ami parfait. Hans est le fils d'un médecin juif et d'une mère au foyer. Il fait ses études dans le lycée Karl Alexander Gymnasium, où il est très peu populaire et n'est pas très apprécié de ses camarades qui sont pour la plupart antisémites. Un jour, la vie de Hans va complètement changer. Et ce jour fut le jour de l'arrivée d'un nouvel élève dans sa classe, l'élève Konrad von Hohenfels. Konrad von Hohenfels a également 16 ans, et il descend d'une longue lignée d'aristocrates protestants allemands qui elles-mêmes descendent de plusieurs siècles. Le père de Konrad est un ambassadeur autrichien et sa mère est une femme au foyer. Konrad et Hans n'étant pas amis, ce qui déplaît fortement à Hans, Hans décide d'attirer l'attention de Konrad en amenant un jour des pièces de monnaie très anciennes grecques pour que Konrad remarque enfin Hans et alla lui parler. Le plan de Hans fonctionna et Konrad vint lui parler. Depuis cette rencontre, il en découla une très longue amitié entre deux. Et à force de se connaître, Hans et Konrad se découvrirent de très nombreux points communs. Mais malheureusement, Hans a beau l'avoir oublié, mais Konrad, lui, non. Entre deux, il y a une très grande différence de classe sociale. Et les parents de Konrad, eux, sont très inquiets, car ils savent que leur fils est ami avec un juif, et étant donné qu'ils sont antisémites, ils ont peur des juifs. Et ils s'inquiètent vraiment pour leur fils. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là, car comme je vous l'ai dit, si je vous lis tout le livre, je ne vais absolument rien vous apporter si jamais vous décidez quand même à le lire. Sachez que pour le prochain livre que je vais faire exactement de la même manière. Donc, je vais vous quand même vous dire ce que j'en pense de ce livre. Donc, je trouve que ce livre est très intéressant à lire d'un point de vue littéraire et historique, car il évoque la difficulté qu'a un juif de trouver sa place, de vivre et de se faire des amis dans une Allemagne qui est de plus en plus nazie et antisémite. Et car ce livre raconte une très très belle amitié entre deux personnes qui sont, dans le cas présent, Konrad von Hohenfels et Hans Schwartz. Ce programme touche malheureusement à sa fin. Donc, pour la prochaine fois, sachez que je vais présenter le livre Nos et moi de Delphine de Vigan qui a été adapté au cinéma, comme L'ami retrouvé qui lui également a été adapté au cinéma. Donc je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à ce programme et je vous souhaite une bonne fin de journée.